là, il va monter jusqu'à 80. Après, ce sont tous des rosiers buissons. Ah, ça c'est bio et en, c'est certifié en plus par Qualité France et par Nature et Progrès. Et je fais tout à la main. Enfin, on plante, il y a certaines variétés qu'on plante et qu'on récolte avec le tracteur. Bon, on ramasse à la main. Ensuite, il y a certaines variétés que je fais tout à la main, en particulier la collection. Et, bon, ça fait un peu. Elle est bleue dedans. Une fois cuit, ça donne quoi? Celle-là reste bleue. Il y en a qui perdent leur couleur bleue, mais celle-là reste bleue. Après, j'en ai des rouges dedans. J'en ai qui ont juste l'anneau vasculaire, rouge, bleu ou noir. Presque noir. Voilà, nous faisons de la vente, de la réparation et de la location de matériel de motoculture de plaisance. Voilà, nous avons une implantation surtout locale et on participe à la foire aux plantes du village qui est l'événement de l'année ici. Donc nous cultivons à Bulles-et-Baronnies des magnifiques plants de tomates. Vous avez des cerises, vous avez des cocktails de toutes les couleurs, jaune, verte, orange, rouge, classique, zébré. Ensuite, ces tomates, c'est des variétés plutôt rares. Donc on est allé chercher des anciennes variétés qui viennent par exemple d'Allemagne aussi, comme la Rotkäppchen, qui est une variété sans tuteur. Donc c'est une variété qui fait un buisson. Ensuite, la banana leg, c'est donc une tomate qui est allongée et qui vous fait, elle est à la connexion avec la plante, elle est plutôt serrée. Ensuite, elle grossit un peu et elle se resserre à la fin, un peu comme un dromadaire, on pourrait imaginer. Pour finir, il y a les tomates blanches, par exemple, donc la beauté blanche, qu'on pourrait imaginer comme une femme presque, mais c'est une tomate qui est donc une tomate jaune, très 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 claire et qui est très agréable à manger. Ben, c'est tout un mélange, il y en a pour tous les goûts. Oui. Voilà. Donc des rosiers paysagers, des rosiers de jardin, des rosiers pour le balcon, il faut choisir, faites votre choix et achetez au coup de cœur, il n'y a que ça de vrai. La commune. De la commune. Je suis né juste à côté. Je suis allemand, le marchand de vin. Et vous avez quel âge? 90 ans. Vous vendez du vin aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, je n'ai pas de vin, oui. Voilà. Vous venez chaque année? Ah, chaque année. Ça. Je manque pas la foire d'espinasse. J'y suis né ici, alors. C'est comme ça. Bravo. Voilà.